Qu'est-ce que tu fais là ? Le seigneur Shimura m'a fait livrer du saké, pour vous remercier de l'avoir aidé à reprendre son domaine. Je surveille le prisonnier. Il n'ira nulle part. Mais si vous tardez, vos amis boiront tous en vous. Je n'ai rien avalé d'autre que de l'eau depuis que nous sommes ici. Oh, vous le méritez, ce saké. Kenji, que fais-tu ici ? Vous le voyez bien, je vous libère ! Si je m'enfuis, je ne pourrai pas unir notre peuple contre le Khan. Je ne regagnerai pas la confiance de mon oncle. Si vous restez, il vous enverra au Shogun pour être jugé. Les ordres viennent d'arriver. Le peuple a besoin de vous, Seigneur Sakai. Yuna a besoin de vous. Où est-elle ? Elle est allée au nord, sur les terres gelées, pour traquer le Khan. Elle a votre sabre. Elle est en train d'attendre le fantôme. Pardonnez-moi, mon oncle. Trouve Masako, Norio et Ishikawa-sensei. Envoie-les au village d'Omi. Yuna et moi, nous vous ouvrirons le passage. Elle vous attend à Kin, avec votre équipement, à l'arbre sacré. Votre cheval est dans l'écurie extérieure. Une servante m'a parlé d'une clôture endommagée près de la porte. Glissez-vous par là. Je vais faire diversion. Mais je ne veux pas être là quand ils verront que vous êtes parti. Merci, Kenji. Que pensez-vous du saké ? Je n'atteindrai pas la porte comme ça. L'odeur de la mort est partout. À cause de ce maudit fantôme. Cette espèce de chien de cœur. Il ne mérite pas le titre de ça. Venez, je vais vous en servir un autre. Je vais passer une semaine en mer pour rester là. Quand allons-nous affronter les Mongols ? Le seigneur Sakai a fui ! Cherchez partout ! Trouvez-le ! Hé ! Personne ne l'a vu ! Il a pu fuir au nord. Vous, à vos chevaux ! Vous autres, gardez la porte ! その時
Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. D'après Kenji, Yuna était à l'arbre sacré. Sans armes, je dois rester dans l'ombre. N'est pas là. Mais ces personnes. Les Mongols ont dû les rassembler ici. De quoi sont-ils morts ? Du sang a coulé de sa bouche. Le parfum de l'aconite. Les Mongols ont appris à fabriquer mon poison. Ils l'utilisent contre nous.
Moukos, Bertrandi! Ils m'ont empoisonné. Je peux les semer dans la tempête. Je ne savais pas si tu travaillerais. Il s'en est fallu de peu. Les Mongols m'ont administré mon propre poison. Comment est-ce possible? Je l'ignore. Mais ils ont appris à le préparer eux-mêmes. Ils l'ont sûrement testé sur les habitants de Qin. Avant qu'ils ne brûlent le village, j'ai vu des familles baignant dans des mares de sang. Il n'y a qu'un moyen de les arrêter. Il faut tuer Khotun Khan. Son armée est postée dans une forteresse sur la côte, au port d'Izumi. Il nous faudra un camp à proximité. Je vais trouver un endroit. Ton équipement est dans ce coffre. Quand tu seras prêt, viens me retrouver à la tour de guet. Je dois rejoindre Yuna. J'ai trouvé un meilleur repère. Grimpe et regarde vers la montagne. Un abri, situé dans la montagne. La pagode de Jogaku. Abritée, défendable, et à distance de frappe de la forteresse du Khan. Il y a juste un problème. Elle est aux mains des Mongols. On peut y remédier. Allons chercher les chevaux. Qu'as-tu fait de ton cheval? Quand j'ai pris la fuite, les gardes nous ont tiré dessus. Ils ont tué Kage. Je suis désolé. Nous avons cela, à défaut. Vite! Ce sont des habitants de Qin? Je ne sais pas. Les Mongols ont brûlé de nombreux villages. Nous aurions dû pourchasser leur armée au lieu de nous entre-déchirer. Pourquoi t'es-tu rendu à ton oncle? Si je ne l'avais pas fait, tous ceux qui me soutiennent auraient attaqué les samouraïs. Et le seigneur Shimura. C'eût été un vrai massacre. Viens! C'eût été un vrai massacre. Exactement ce que voulait le Khan. Ton oncle a fait le jeu de l'ennemi. Il était acculé de tous côtés. Par les Mongols, par moi, par son devoir envers le Shogun. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous vaincrons. Shimura n'aurait pas dû se retourner contre toi. Il voulait faire de moi son fils. J'ai anéanti son rêve. En faisant ce qui est juste. Faire ce qui est juste n'arrange pas toujours les choses. Dis ça aux gens que tu as sauvés. Si on réussit à tuer le Khan et à chasser les Mongols, ton oncle pourra-t-il te pardonner? Quand j'étais jeune, Shimura était à la fois mon père, mon sensei, mon univers entier. Je n'ai jamais voulu le décevoir. J'espère que nous pourrons nous réconcilier. Quoi qu'il arrive, son pardon ne changera pas qui je suis. Il pense que je t'ai dévoyé. J'ai fait mes propres choix. Même sachant le prix à payer, je ferai les mêmes aujourd'hui. Même si le Shogun me voit comme un traître. Le temple de Jogaku est proche. Il y a un camp de pêcheurs au lac. On explorera les environs depuis cet endroit. Laissons les chevaux ici. Nous irons à pied. La forêt est épaisse. Elle nous dissimule.
Elle dissimule aussi les Mongols. Pour atteindre le temple, le plus sûr est d'avancer à découvert. Ou sur un lac gelé. Ils ont des prisonniers. Ils vont mourir de froid. On va les libérer. Éliminons les Mongols du camp et emparons-nous du temple. Un canon d'alerte. Pour prévenir le temple en cas d'attaque. Je vous en prie, ma fille a besoin de moi. Ils nous forçaient à travailler. Vous êtes libre. Plus personne ici. Le temple sera mieux défendu. Ne nous précipitons pas. Voyons à quoi on a affaire. Les archers surveillent le lac. Ils vont nous voir et nous abattre. Faisons-les venir à nous. Comment ? On tire au canon d'alerte et on les attire sur la glace. Puis on se sépare et on les élimine. Il y a des explosifs sur la glace. On peut s'en servir contre eux. Monte la garde. Je vais les débusquer. Attirons leur attention. Je dois rejoindre le train. Planifier notre attaque. On pourrait escalader cette cascade gelée et passer au-dessus du mur arrière. Suis-moi. Chef de guerre et ses gardes. Si je l'achève, ils fuiront. Come on.
On a cru qu'on allait mourir en esclaves. Ils ne vous feront plus de mal. Pas de Mongols, des murs épais. On est en lieu sûr. Hé. Hey. Ton oncle a choisi sa voie. Et moi, la mienne. Kotun a étudié les tactiques de Shimura. Il sait comment battre une armée de samouraïs. Mais il ne saura pas se défendre contre nous. Nous le ferons souffrir, pour Taka. Pour tout le monde.